Bonjour. Pour bénéficier d'une lumière agréable, hiver comme été, tout en minimisant sa facture d'électricité, il faut optimiser son éclairage. 70% de nos besoins en éclairage peuvent être comblés par la lumière naturelle. Il est donc important de veiller à ce qu'elle pénètre dans la maison, même en plein centre. C'est donc dès la conception du logement, que ce soit en construction ou en rénovation, qu'il faut y penser. Via des baies vitrées, via des fenêtres de toiture, tout l'éclairage naturel que l'on peut apporter à un bâtiment est un bénéfice pour la vue et pour le confort des occupants. La couleur des murs va également être très importante. Murs et plafonds clairs vont refléter la lumière. C'est le cas aussi au niveau des sols. Dans une habitation, les sols sont souvent de couleur sombre pour faciliter l'entretien. Envisager une couleur claire et un sol plus lisse favorise la diffusion de la lumière également. Ensuite, on peut optimiser l'usage de son éclairage pour limiter la consommation d'électricité. Pour avoir un éclairage efficace et économique dans le logement, il faut des lampes et des luminaires efficaces en énergie. Avec les lampes LED, la consommation d'énergie est divisée par 10 par rapport aux anciennes ampoules à incandescence. Deuxièmement, adapter l'éclairage aux besoins et aux tâches qu'on veut réaliser dans les différents espaces. Par exemple, utiliser des petites lampes d'appoint pour des usages spécifiques. Utiliser au maximum la lumière gratuite du soleil et optimiser l'installation de son éclairage, c'est un tout bon plan.